60 secondes, expat. Sur la radio des Français dans le monde. Avec Éric Gendry. Bonjour à tous, c'est une annonce faite par le gouvernement allemand qui rend bon nombre d'experts dubitatifs. L'Allemagne va débloquer 1,750 milliard d'euros pour soutenir la croissance des hautes technologies. Et ce sont les start-up spécialisées dans les domaines de l'intelligence artificielle, du climat, du quantique et de la biotechnologie qui vont en bénéficier. Les pouvoirs publics espèrent bien ainsi initier un mouvement dans lequel le privé suivrait, en rajoutant la même somme. L'aide globale aux nouvelles technologies s'élèverait ainsi à 3,5 milliards d'euros. C'est une constatation qui est à l'origine de cette décision. L'Allemagne est actuellement à la traîne par rapport aux autres pays, européens mais pas seulement, en termes de financement de démarrage. Elle investit dans les nouvelles technologies 85 euros par habitant, alors que la France, elle, investit 107 euros par habitant. Et pour l'un comme pour l'autre de ces deux pays, la comparaison n'est pas flatteuse avec le Royaume-Uni. 438 par habitant et encore moins flatteuse avec les États-Unis qui, elles, dépensent 691 euros pour chaque habitant. Alors pourquoi cette réaction mitigée de certains experts qui jugent l'impact de cette mesure limitée? Pour deux raisons principales. La première, c'est que selon eux, le secteur privé doit devenir un moteur surpuissant de l'innovation technologique, ce qui, selon eux, n'est toujours pas le cas. La seconde raison, c'est que s'ils regardent d'un bon œil le réajustement de l'implication de l'État dans ce secteur, ils pensent aussi que cette implication devrait prendre une autre forme. Voter des budgets est bien, mais donner soi-même du chiffre d'affaires à ces start-up en les faisant travailler, ce serait encore mieux. Mais ce serait, pour le coup, un vrai changement de logiciel, comme dirait l'autre. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.